Elle avait deux sœurs, des boudins. Deux gros boudins. Moches comme des poux et jalouses comme des teignes. Cendrillon, elle est comme ça. T'es pas dans la réalité, Antoine. Pour ce que j'en rate. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. Moi non plus, hein. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. Et un jour, un prince, parce qu'on appelle ça un prince, qui n'était pas très fut-fut, faut bien l'admettre, décide d'organiser un grand bal pour rencontrer la femme qui sera la femme de sa vie, la plus belle femme du village. C'est votre fils ? Non, c'est mon meilleur copain. Pourquoi tu souris pas ? Évidemment, la belle-mère, qui est une grosse poufiasse, se dit, bon, je vais essayer de placer mes deux boudins. Pas Cendrillon, parce qu'elle est trop jolie. Et donc, elle s'arrange pour que Cendrillon ne soit pas là. Elle a quelque chose de romantique, ton modèle ? C'est pas mon modèle. Si vous aimez tant les ongles, vous pouvez bouffer les miens. Hein. Mais, et c'est là que l'histoire est géniale, sa marraine lui file une paire de pompes. Je voulais vous remercier. De quoi ? Vous avez du talent, Antoine. Faites-en quelque chose. Les pompes de Cendrillon. Des géniales pompes. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis très longtemps.